الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان بعض أسباب النجاة من عذاب القبر. روى الضياء المقدسي عن أنس وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. إذن الشيخ عبد الله رحمه الله dans le livre شرح القائم على الصلاة المستقيمة la page 478 il parle de certaines choses qui peuvent sauver la personne du châtiment de la tombe, c'est-à-dire s'il fait certaines choses, inshallah sera protégé du châtiment de la tombe. Parmi ces choses-là, ce qu'il a été rapporté de Anas, il a rapporté de Diyan Maqdisi, de Anas et Ibn Hibban aussi, Ibn Hibban l'a rapporté de Abi Huraira, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le Coran, il y a 30 ayats qui demandent le pardon pour celui qui l'a récité, c'est jusqu'il aura le pardon de Dieu. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Surat Tabarak, Surat al-Mulk. C'est 30 ayats. Celui qui la récite tous les jours, Inch'Allah, cette surat intercède pour lui et sera préservé du châtiment de la tombe. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أنها في جوف كل إنسان من أمتي. إذن ابن عباس روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحاكم روى في المستدرك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الملك: وددت أنها في جوف كل إنسان من أمتي، تبارك الذي بيده الملك. Le prophète a dit: je souhaitais qu'elle sera dans le cœur de chacun de ma communauté. Alors celui qui n'a pas encore appris sourate al-Mulk, qu'il l'apprend et qu'il la récite tous les jours. فمن حافظ على قراءتها كل يوم كان داخلا في هذا الحديث. Celui qui la récite tous les jours, il sera concerné par ce hadith. واما من قرأها ليلة واحدة ومات في تلك الليلة لم يرد نص انه لا يعذب في قبره ولا يسأل. Maintenant, s'il a lu dans un jour et dans ce jour il est mort, il n'y a pas un texte qui a été rapporté à ce sujet qui sera préservé du châtiment ou il n'aura pas la question. روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، يعني الذي في القبر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. الترمذي dans son جامع dans son livre As-Sunan, il a rapporté par une chaîne jusqu'au Ibn Abbas qu'un homme a mis sa tente sur une tombe. Puis pendant la nuit, il entendait la récitation de Tabarak alladhi biyadihi al-mulk jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la tombe, la lecture de Surah Tabarak jusqu'à la fin. Et le matin, il est venu chez le prophète alayhi salatu wasalam, il lui a dit qu'est-ce qu'il a entendu de la tombe. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: hi al-mani'a hi al-munjia, c'est cette sourate, c'est celle qui préserve, qui sauve, c'est-à-dire du châtiment. Wa kana Uthman radiyallahu anhu idha ata al-qubur baka hatta yabulla lihyatahu bid-dumu' fa qila lahu fi dhalik fa qala: fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya ay la adhunnuka. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يزيت التومب يزور القبور ويبكي عندها يبكي يقول il disait si tu t'es sauvé de là dans la tombe, si tu es sauvé, alors tu as vraiment tu seras sauvé d'une quelque chose de très grand, de très grave. Sinon, si tu n'es pas sauvé dans la tombe, je ne pense pas que tu vas être sauvé le jour dernier. إن تنجو منها فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا أي لا أظنك ناجيا إن لم تنجو من عذاب القبر.
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. رواه الترمذي. Alors, Othman Mu'affan radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la tombe c'est la première étape de l'au-delà. Si tu es sauvé du châtiment de la tombe, ce qui va venir ça va être plus facile. Et si tu n'es pas sauvé, alors ce qui va venir est plus dur. Rapporté par At-Tirmidhi. وهناك حديث آخر أقوى إسنادا وفيه أن ما بعد عذاب القبر أيسر. وفيه دلالة على أن من عذب في قبره لا يشترط أن يعذب في الآخرة. Maintenant, il y a un autre hadith. Nous, ce qu'il a dit à Othman, que ce qui vient après la tombe, c'est plus dur si tu es châtié. Mais il y a un autre hadith, par la chaîne est plus fort, que ce qui vient après la tombe, c'est plus facile, c'est moins grave. C'est-à-dire pour certains, c'est pas dire pour tout le monde, mais peut-être certains, Allah Ta'ala a voulu qu'ils auront un part dans le châtiment de la tombe et par la suite sera moins grave pour eux. Mais par exemple, il y en a beaucoup qui auront le châtiment de la tombe et dans l'au-delà, c'est le plus grand châtiment dans Jahannam. Mais ce hadith confirme que celui qui a eu le châtiment dans la tombe, c'est pas une. Ça n'implique pas qu'il va être encore châtié dans l'au-delà. Ça peut être qu'il a pris un part là et par la suite il sera pardonné. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر والآخرة لمن مات قبل التوبة من مات وقد نال نوعا من أنواع الشهادات. يعني parmi les choses qui sauvent dans la tombe, les gens qui sont morts martyrs, qu'ils soient dans la bataille ou suite à une chute depuis le haut en bas, ou noyé, ou par une maladie du ventre, ou tué injustement. نوع أي نوع من أنواع الشهادات سواء شهيد المعركة أو غير شهيد المعركة من مات بالتردي من أعلى إلى أسفل من مات بالبطن من مرض البطن من مات بالغرق من مات بالهدم هذا يعتبر ومن مات ظلما شهيد. شهادات سوى القتل في سبيل الله سبع: الذي يموت بغرق أو بحرق بالحريق أو بمرض ذات الجنب أو مرض في الخاصرة داخل بالداخل ثم يظهر ينفتح إلى الخارج. لا أدري ماذا يسمى اليوم ذات الجنب اليوم. يحصل لصاحبه حمى وقيء وغير ذلك من الاضطرابات. والذي يقتله بطنه مثل الإسهال والاحتباس يعني فيصير عنده احتباس لا يخرج منه شيء مثلا فيموت بمرض بطنه. ففي الحديث: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. رواه الترمذي. كذلك الذي يقتله الطاعون وهو معروف الطاعون بيست ورم يحدث في مراق الجسم أي المواضع الرقيقة ويحصل منه حمى وإسهال وقيء. وقد حصل في زمن عمر طاعون مات فيه 70,000. كذلك المرأة التي تموت بجمع أي بألم الولادة. كذلك الذي يموت تحت الهدم أو بالتردي من علو إلى سفل. Alors il a dit les ceux qui sont considérés martyrs à part le celui qui est du fils Abila, on a cette sorte: celui qui est mort noyé, celui qui est mort brûlé, celui qui est mort par une maladie qui s'appelle ذات الجنب. C'est une maladie qui est vers les hanches et ça gonfle et par la suite il aura la fièvre, il vomit, voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, peut-être c'est une sorte de cancer, je ne sais pas. Celui qui est mort par la constipation ou par les diarrhées jusqu'à la mort, encore dans le hadith, celui qui est mort suite aux maladies de son ventre, n'aura pas le châtiment dans la tombe. Rawa Tirmidhi. Celui encore qui est mort par la peste, encore celui-là, il ne sera pas châtié dans la tombe. Et au temps de Sayyidina Omar, il y avait la peste qui est arrivée dans le pays du Cham et il y avait 70,000 morts. Encore la femme qui est morte suite à l'accouchement ou douleur de l'accouchement, encore ne sera pas châtiée. Encore celui qui est mort sous les destructions de maisons, comme lorsqu'il y a des tremblements de terre, ceux qui sont morts
suite aux chutes des bas de l'appartement, ou celui qui est mort en chutant depuis le haut en bas. Tout ça, c'est des sortes de martyrs, ils ne seront pas châtiés. C'est pas comme le martyr du bataille, mais il est martyr. Il est martyr. C'est un martyr autre que celui qui est mort fisabilillah. Et il ne sera pas châtié, mais dans le paradis, ces gens-là, ce n'est pas comme les martyrs qui sont morts dans le bataille. Mais c'est, cette sorte de mort, c'est une, on considère qu'il est martyr. Mais ils ne sont pas au niveau de ceux qui sont morts dans les batailles. هناك شهادات أخرى غير هذه المذكورة في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان. وردت في حديث أخر كالذي يقتل دون أهله أو ماله أو ولده. Celui qui mort en train de défendre sa famille, ses biens, sa religion, ses enfants. Alors il est martyr. Celui qui est mort en train de défendre sa famille, son épouse, ses biens. كذلك لا يعذب من مات غريبا عن بلده. Celui qui est mort en étant loin de son pays, à l'étranger. موت الغريب شهادة, rapporté par Ibn Hibban, mais il est faible le hadith. Ibn Hajar l'a considéré faible. Et celui qui est tué injustement, c'est un martyr. ألا ما حكم منكر عذاب القبر؟ الذي ينكر عذاب القبر يكفر. Celui qui nie le châtiment de la tombe, mécroit. لقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الذي مثلا ما سمع بالسؤال في القبر, ما سمع فأنكر السؤال في القبر ليس عنادا, ليس يعرف أنه ورد فيه حديث وأنكر, هذا يكفر. Celui qui nie la question dans la tombe, il sait qu'il y a un hadith à ce sujet et il a nié, il me croit. Mais celui qui n'a jamais entendu, et il a dit, j'ai jamais entendu ça, alors il faut lui enseigner. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa hakim.